Hey, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Evie Mawete. En tout cas, vous le saviez déjà pour bon nombre qui me suivent. Aujourd'hui, je me suis décidé de faire un récap en arrière par rapport aux vidéos qui ont été déjà réalisées, qui sont sur ma chaîne. Ceux qui atterrissent pour la première fois sur cette chaîne, sachez que elle porte le nom de Evie Mawete, c'est-à-dire mon nom. Donc là, on a atterri sur ma chaîne Evie Mawete. Merci en tout cas pour les abonnements, pour vos commentaires, pour des likes. Ça me fait énormément plaisir et ça me pousse à continuer. Je vous propose quelques vidéos qui peuvent vous aider dès lors que vous êtes en train de préparer votre voyage pour la Russie. On débute en tout cas par la première. Nous allons sur vidéo, bien sûr. Il y a plein de vidéos qui ont déjà été réalisées. Mais ça, là, c'est pour aider en tout cas ceux qui veulent tout savoir, comment s'y prendre à l'avance de la Russie. Donc, je crée cette chaîne il y a de cela, je dirais 3 ans, mais j'ai débuté il y a de cela une année. Voilà même mes vidéos qui datent pratiquement d'une année. Donc, voilà un an qui est marqué. On commencera d'abord par 5 choses à savoir avant de venir en Russie. Cette vidéo, elle dure 4 minutes 54 secondes. Je pense qu'elle pourra largement, alors largement vous aider. 5 choses à savoir avant de voyager pour la Russie. Donc, nous passons, nous voyons également cette vidéo, 5 choses à savoir pour apprendre la langue russe rapidement. Voilà, pour ceux qui sont déjà sur le point de voyager pour la Russie, voilà. Et également, c'est une série en fait de vidéos que j'avais l'habitude de faire concernant le top. Donc je faisais le top 5 des éléments à connaître, des choses à savoir bien sûr concernant la culture, la langue, le pays. Donc voilà. Ici, là, je vous conseille également cette vidéo qui dure 6 minutes 12 secondes, 5 choses à savoir de la culture russe. Nous venons également ici, il y a 10 choses à savoir qui découlent de l'intégration en Russie. C'était également une très bonne vidéo qui peut également vous aider. Il y a 5 minutes 36 secondes. Donc voilà. Ici également, il y a une vidéo cas d'urgence extrême. Ça parle également de tout ce qui peut arriver en étant en Russie. Donc voilà. Ici là, c'est une vidéo beaucoup plus développée, je dirais. Réussir son coup en Russie, de stratégie, des astuces, comment réussir son coup comme c'est bien écrit, hein. En Russie, c'est-à-dire comment s'en sortir, comment aborder et appréhender la Russie, la vie en Russie. La vidéo dure 11 minutes 10 secondes, 11 minutes 10 secondes. Donc voilà, trouver un boulot en hiver également, ça parle de la Russie. Donc voilà, faites un tour, jetez un œil, ce sera quelque chose de très bien. Ici, Kazan Découverte Vlog, bon, ça dépend que de vous, hein. Le vlog, en tout cas, j'en parle pas trop. Bon, la vidéo qui a vachement circulé depuis que j'ai créé la chaîne est celle-ci, les avantages et le désavantage d'étudier en Russie. Ça va énormément vous aider. En tout cas, je vous assure, jetez-y un œil, ça pourrait également vous aider. Elle dure 13 minutes 53 secondes. Donc voilà, après cette vidéo, il y a une vidéo spéciale qui a été réalisée pour répondre également aux questions qui m'ont été posées à travers cette vidéo. Donc, les avantages et les désavantages d'étudier en Russie, les questions qui m'ont été posées ont été répondues grâce à cette vidéo. Enfin, je réponds à toutes vos questions comme le titre le dit, étudier en Russie. Donc voilà, elle dure 26 minutes. Une seconde, donc jetez-y un œil, ça pourrait vous aider. Et là, nous venons sur comment avoir un visa d'études pour étudier en Russie. Bon, si vous avez déjà un visa et que vous préparez votre voyage pour la Russie, ça pourrait également vous servir, mais pas assez. Mais c'est pour ceux qui ambitionnent en tout cas venir étudier en Russie. Donc voilà, nous avons également le conseil de classe. C'est une vidéo intéressante, ça pourrait également vous aider, oui. Le conseil de classe 2.
ça pourrait vous aider. Ça n'est dur que 3 minutes 35 secondes. Donc voilà, j'en passe en tout cas de vlog. Ça dépend que de vous, mais je vous apporte la lumière sur ce qui vous intéresse réellement, quoi. En réalité, la Russie, j'étais y en œil également. C'est une vidéo qui date de 2 mois. Elle dure 6 minutes 20 secondes. Elle est aussi intéressante. Donc voilà, c'est que l'on ne vous a pas dit à propos des études en Russie. Impérativement, vous devriez voir cette vidéo. 9 minutes 16 secondes. Donc allez-y voir. Pour ceux qui sont curieux, bien sûr, il y a également une vidéo. Vous devriez absolument visiter ces 8 villes merveilleuses de la Russie. Bon, c'est une vidéo qui parle que de villes. Je balance des photos ici et là. Donc allez-y faire un tour. Et puis voilà, la réalité cachée, comme le titre le dit, donc je ne vous révèle rien, allez-y. Et puis tapez dessus si elle vous intéresse. Maintenez votre attention jusqu'à la fin pour apprendre plus. Et enfin, je dirais concernant ces lots en tout cas de vidéos, il y a et si tout était possible en Russie. Bon, ça parle de comment s'en sortir également tout en étant ici. Donc voilà, j'en passe de vlog. Et enfin, nous avons ce qu'il te faut faire de ton arrivée en Russie. Cette vidéo, elle est très très importante pour ceux qui sont déjà sur le chemin d'arriver en Russie, bien sûr. En tout cas, intéressez-vous à cette vidéo, elle est très très importante pour vous et elle va vous énormément vous aider, ça c'est sûr. Bon, ici là, ça intéresse le footballeur, le sportif. En fait, devenir footballeur professionnel en Russie, l'horreur à ne pas faire. Allez-y, jetez un œil. 3 choses à savoir pour avoir un visa Schengen en étant étudiant en Russie. Allez-y également. Excusez-moi, en tout cas, j'ai attrapé le rhume en tout cas aujourd'hui matin. C'est un peu bizarre, mais il commence déjà à faire froid, donc voilà. La vidéo, je l'ai postée il y a de cela 2 jours. Bon, elle compte 15 minutes 5 secondes. Allez-y faire un tour. Également, il y a un sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Sochi le 23 et le 24 octobre dernier. Donc, allez-y faire un tour également. Et ici, comment et quand renouveler son passeport. Bon, voilà quoi. Toutes les vidéos dont je vous ai présentées, je dirais, elles sont très très importantes pour ceux qui viennent en Russie, bien sûr. Allez-y faire un tour, c'est très très important, j'insiste en tout cas. Allez-y faire un tour. Donc voilà la famille, je passe par quelques donations. En fait, ici, comme vous pouvez le remarquer, il y a mon Instagram sur à propos, c'est-à-dire ça vous renseigne. Un petit mot qui vous renseigne sur la chaîne carrément. Il y a également des liens qui sont là, mon lien Instagram. Si vous voulez bien vous abonner également sur Instagram, ça me fera plaisir. Me suivre sur Twitter. Et puis, donation, c'est quoi? C'est un compte PayPal. Donc, le compte PayPal, c'est justement pour des petites aides, je dirais ça. Pour ceux qui veulent bien contribuer à l'évolution, au développement de la chaîne, vous avez cette donation qui est juste là. Si vous pouvez également faire un geste pour essayer de faire développer la chaîne, ça ne dépend que de vous, pour que j'achète peut-être quelques matériels, bien sûr, pour toujours faire survivre la chaîne et vous aider davantage et aider ceux qui sont en Afrique, bien sûr. Donc faites-le, ça me ferait énormément plaisir. Si vous avez peut-être 1 euro, 2 dollars, 3 dollars, 10, 5, 50 roubles, ça dépend quoi. Donc faites-le pour contribuer au développement de la chaîne, bien sûr, pour que j'achète de micros, pour que j'achète de bonnes caméras, pour que j'achète tout ce qu'il faut pour vous aider davantage. Et s'il faut même faire des voyages dans des villes dont vous me posez souvent la question, une université, un tel, dans telle ville, tu peux aller, tout et tout. Il faut des moyens. Donc, pour solutionner ça, il faudra également contribuer. Donc, il y a donation, le compte PayPal, entrez votre carte bancaire, soit, je ne sais pas, un lien pour la donation, pour le compte PayPal, bien sûr, et faites le virement si vous le pouvez. Donc, voilà la famille, soutenez la chaîne.
Je suis vraiment à vous, disponible à vous aider. Je vous remercie encore une fois de plus pour les abonnements, pour vos commentaires, pour votre soutien. Je suis vraiment comme un ouf. Je ne vous dis pas. Merci beaucoup. Et on se retrouve à la prochaine. Moi, c'est Vima Oete. Ciao, 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 la famille.